On attend l'eau. Ouais. On dirait des œufs. Hein. Salut tout le monde, on est reparti pour une nouvelle aventure accompagné de mon neveu qui est là. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Et de son papa qui est parti faire une petite expédition que vous verrez plus tard. Et donc on est dans les gorges du Blavet, dans le Var. Donc c'est super joli. C'est des montagnes de roches volcaniques, plus précisément de rhyolite. Donc c'est de la roche rouge qui a les mêmes caractéristiques que le granit. Donc c'est super joli. Et mon neveu a fait une belle trouvaille. Viens, viens montrer à la caméra la trouvaille. Vas-y, viens là. Montre à la caméra. Une douille de 6,55. Donc en général les chasseurs ils chassent avec des cartouches de 12 là, les grosses cartouches avec des mini plombs dedans. Donc je sais pas, est-ce qu'on chasse avec ça, s'il y a des chasseurs, enfin des gens qui connaissent qui le disent, ou est-ce que c'est un règlement de compte? Ils ne sauront jamais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est la roche. La rivière pourpre. Ouais. On a plein. Allez, petit aventurier. Tu vas y arriver? Tu veux papa y donner... Ouais. Wow. Parce qu'il y a de l'humidité. Quand il y a de l'humidité, il y a de la mousse. Et la pierre là-haut, elle va tomber. Ouais, c'est là. Non, mais là, il nous sent, là. Toi, c'est dehors. Elle va tomber, ça. Tu la pousses, elle tombe. Oh, ah ouais, c'est chaud. C'est pas... On peut te dire que c'est un piège. C'est chaud. Mais c'est un piège, tu sais que... Thank you.
grotte de la préhistoire, du paléolithique. Ils ont trouvé des traces de... Ils ont trouvé des flèches. Ah. C'est le paradis des escaladeurs ici. Au moins, je suis pas préhistoire. Hein. Ah, voilà. Oh, c'est beau. Hein. Bon, j'ai rangé l'appareil photo pour l'instant. C'est un peu risqué. C'est un peu casse-gueule.
Il y a de la cinéraire maritime. Ouais, en fait, tu montes jusqu'en haut, je crois. C'est magnifique. Après, t'as une corde. Ouais. Ça y est, on a trouvé le spot de ce soir. Tranquille. Donc là, je vous montre. Il y a un petit banc. Alors, on se demande si c'est un banc ou c'est des chiottes. Parce que... ça pourrait être les chiottes aussi. Et sinon... on a fait le feu. Bon, on va reculer un peu là, parce que c'est à peu près. On a mis les couchages en mac. 1, 2, 3. Et là, il y a la bouffe. Donc, vous verrez ce qu'on va bouffer. Petit barbecue comme d'hab. Et on entend beaucoup les escaladeurs. Donc, je crois que c'est jour et nuit que ça escalade ici. Parce qu'on a vu des... excusez-moi, je parle comme ça. Et en fait, on a vu des... trucs fluorescents là, vous savez. Le petit bâton fluorescent jaune. Donc, ils les mettent tout le long du chemin. Et donc vous voyez la nuit, enfin, vous voyez, vous pouvez vous repérer quoi. Sinon paisible, tranquille. Là on est à l'apéro. Il est 8h. Il fait un peu chaud encore, mais tant mieux, parce que cette nuit au moins on aura. Ils annoncent 15. Donc ça devrait le faire, 15. Et puis voilà. Allez. On se retrouve pour la bouffe. Ciao. Les 400 coups de Virginie. Pas froid, hein? Non. Un petit peu. Est-ce que tu veux faire quelle température? Moi je dirais 20. Ouais. On entend aussi des feuillages, t'as entendu? Alors les couchages, c'est un max ce soir. Aussi. On dirait les calanques ici, hein, parce que c'est pas la même roche. Alors, cette roche, elle est identique au granit en fait. C'est de la rhyolite, c'est de la roche volcanique. Et c'est typique d'ici, c'est pour ça que vous voyez l'effet un peu rougeâtre sur les rougeâtres roses. Sur les falaises, parce que c'est de la roche volcanique.
On entend le ruisseau en bas. Là, on est en train de faire à manger. Et voilà, paisible. Ça cuit doucement mais sûrement. Ouais. Et où le bateau magique? J'avais là. Je vais essayer dessus. Moi je trouve pas. Oh elle est belle celle-là. Oh là là la chipot aussi. Oh elle est belle la chipot. Ça c'est pour les renards. Ils se bouffent les os. Ouais. C'est là? Non, c'est là. Ah c'est là, j'avais même pas vu. Ouais. On prend là. Non, dis-toi. Allez, c'est parti. Alors, petite info du soir, on se prend des roches, enfin on se prend, heureusement qu'on ne se les prend pas, mais on entend des roches tomber, donc par sécurité, on a mis mon poncho tarpe pour le petit, car on ne sait jamais. Même si, suivant l'angle de la falaise, on serait plutôt pas mal. Mais on sait jamais. Mais c'est impressionnant, parce que c'était pas une petite pierre, hein gros? Ouais. C'était vraiment un bon bout de roche, quoi. Tout comme ça, quoi. Donc ça, sur la tête, c'est adieu. Donc j'en profite, hein, je vous aimais bien, tout le monde, on sait jamais. Si vous voyez cette vidéo, c'est que tout va bien. Mais bon. Ça fout les jetons quand même. Bonjour tout le monde. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Hier, il était dans un hamac. Ce matin, qu'est-ce qu'il fout là? Et en fait, on a pris un orage. Pas prévu. Pas prévu, éclair, orage, tempête de vent. En pleine nuit, je m'affole. Je me prends un granit comme ça dans le pied. Je suis allé en chaussettes, donc ouverture du pied sur deux orteils. J'ai du mal à marcher, j'ai pas dormi. Bref, c'était dur. Donc là, on va ranger les affaires. Les sacs et on va prendre la route. Voilà le petit débriefing de ma nuit.
bidon. Toi, t'as passé une bonne nuit? Oui. De la chance, hein? Oui. Oh, il y a un rocher, il est passé à ça de ta tête. Ouais. Après, avec papa, on a mis le poncho tarpe. Et toi, tu ronflais. J'ai entendu une pierre tomber. Une pierre. Je douille. J'en profite pour vous parler d'un petit truc. J'ai un ami qui fait des petits bijoux comme ça, des porte-bonheur. Donc, c'est super sympa. C'est un mix de bois et de résine. Et dedans, vous pouvez mettre n'importe quelle paillette. Donc, c'est super joli. Merci Fred. Et si quelqu'un est intéressé, ben, qu'il me le dise en commentaire. Et je vous passerai les coordonnées de Fred. C'est lui qui les fait. Voilà, petite parenthèse. Malgré une cheville, enfin un pied en moins, parce que c'est même pas la cheville, c'est les orteils. Mais ça va, je garde le moral. Du Liège.
Voilà, la petite aventure se termine, j'espère que ça vous a plu. Donc, à la prochaine.